Bon, coucou tout le monde. Aujourd'hui on est dimanche et j'ai envie de faire un gâteau au yaourt. Ce que je veux faire, c'est une moule. Il est là l'autre. Bougez. Ah, ça c'était ma voisine qui l'avait acheté parce qu'elle avait trouvé dans un vide-grenier un truc comme ça en forme de dinosaure. Et celui-là, c'est moi qui l'avais acheté à Action. Alors, je vais faire des moules dinosaures, des gâteaux dinosaures pour mon bébé d'amour. Mais d'abord, je vais baisser le son un peu. Voilà. Alors, oui, comme mon bébé, elle est chez Marlène, elle revient tout à l'heure, quand j'irai chercher tout à l'heure. Ben, j'ai envie de faire un gâteau. Je vais faire un gâteau yaourt à la banane. Parce que j'ai acheté de l'arôme de banane hier quand je suis allée à Alès. J'ai acheté ça. Avec de l'arôme de caramel menthe. Ça. Voilà. Là, vous avez aussi pêche, abricot. Et j'ai vu aussi ananas. Vous avez tous les arômes. Quand je retournerai, je les prendrai tous. Bon, parti pour faire ces deux moules. Alors, hop là. On va mélanger tout ça. Hier, ouais, on est allé à Alès. Il faisait beau, chaud. Oh, c'est bien. Mais je veux pas tout ça, moi. Je mettrai plus de sucre. Parce que normalement, c'est un pot de sucre. Moi, je mets pas un pot. Levure chimique. Pour un pot de yaourt, il faut un pot de sucre. Moi, j'aime. Quand c'est trop sucré, c'est pas trop bon. Attendez. Non, j'ai perdu. Quoi? J'ai pas perdu, c'est juste qu'il ne marche plus. J'ai ma télécommande de ma clé, vu que j'ai le truc Amazon là. Avec l'Amazon, elle ne marche plus depuis quelques temps et j'ai téléchargé l'appli sur mon téléphone. Et sur l'appareil de ma fille, sur le téléphone de ma fille. Alors pour changer, et je suis obligée de prendre. Bon, mon téléphone, j'avais commandé une, mais je dois le recevoir au milieu du mois. Bon, là j'ai mis le yaourt, le sucre, la levure chimique. Là, je vais mettre la farine. Et même si il me reste dans mon pot de la farine, je ne vais pas mélanger. Parce que l'autre fois, j'ai acheté de la farine et j'ai pris sans gluten. Ce qui a été pas cher et je veux pas la mélanger en fait. Alors on va faire avec celle-là. Je sais pas qu'est-ce que. Je sais pas pourquoi c'est sans gluten. Déjà d'une. Ouais, vous allez me prendre pour une fois. Je sais pas qu'est-ce que c'est les gluten. Pourquoi il y a des trucs. J'en vois souvent des trucs où c'est marqué sans gluten. Le pain, des trucs comme ça, je vois. Je sais pas qu'est-ce que c'est en fait. Oui, vous me prenez une poignée d'idiot si vous voulez, mais voilà. Je mets 3 pots de farine. Là, ça fait 1. En plus, je devais avoir un ami qui devait venir en milieu du chemin, mais sa voiture est tombée en panne. Dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. Une prochaine fois. Maintenant, je vais rajouter mes 3 œufs. Une prochaine fois, on se verra. J'ai pas un souci. Ça fait chier. Mais bon, ça arrive, ça. Les voitures, de toute façon. On peut pas prévoir. Mmh.
Alors moi je rajoute toujours un peu de lait dedans. Je trouve que la pâte elle est mieux et ça fait moins bourratif. Quand je mets l'équivalent de la moitié dans le pot. Oh mon fils! Je vais rajouter l'arôme de banane. Ça donne envie de la manger. Regardez, c'est un peu pâteux, un peu gélatineux, c'est pas liquide. Moi j'ai mis 2 cuillères à soupe. Mais ça sent trop bon parce que vous avez, en gros, si vous voulez, vous avez 2 marques dans la boucherie là où je les achète parce qu'ils font boucherie, légumerie et tout le magasin. Il y en avait une, elle était claire la couleur, et là, elle était jaune. On verra bien. Ça va, j'ai eu peur que ce soit trop jaune, mais non. Voilà. Ah, on sent le goût de la banane. Mais bien comme il faut. Ah oui, on sent bien le goût de la banane. Mais très bien. Je l'ai nettoyé cette plaque. Est-ce que les deux vont rentrer? Oh, super. Ouais. Ils y vont super sur la plaque. Alors, là c'est le moment où on va m'arrêter de 5 minutes. Devant mon nez. Et je vais pas les remplir en entier parce que ça va gonfler. Je remets un peu dedans le moule et après je vais l'étaler. Elle sera contente, elle aura des mini dinosaures. Bon, c'est vrai, comme je vous dis, je suis pas très fan des moules en silicone. Pourtant, avant, j'en avais pas mal. Mais à force, j'ai utilisé. Bon, désolé, j'ai une amie qui m'appelait. Bon, voilà ce que ça te donne. On verra bien, mais j'ai peur que celui-là il gonfle pas trop. Bon, on verra. On verra ce que ça va donner. Parce que là. Ah oui, ça, il faut que je le lave. Aussi, il faut que je mette dans la vaisselle. Que je le lave. Que je range ça. Bon, en plus, j'ai un truc que j'ai mis qui m'a fait tomber le seau par terre. Il faut que je le ramasse. Il y en a une qui m'avait demandé. Comment je, il faut que je le fasse, j'ai toujours pas fait. Nettoyer mon congélateur, j'ai acheté ça sur Shein pour pouvoir exprès nettoyer le congélateur. Faudrait que je le fasse pour voir exactement si c'est bien ou pas. Parce que pour voir si ça le fait bien ou pas de nettoyer. Il faut que je le fasse quand je serai en congé, j'aurai plus de temps. Il sera un peu vide aussi parce que là je l'ai rempli hier vu que je suis allée à l'Est. Je voulais aller voir mon père cet après, mais il n'est pas là. Je voulais lui envoyer un message parce que l'autre fois j'avais pas envoyé de message pour savoir s'il était là, si on nous avait pété avec mon régal.
Oui, il n'est pas là. C'est pas grave. On ira une prochaine fois. C'est pas un souci. Ça. Voilà. Ça, j'en ai commandé des trucs comme ça, j'en ai commandé un. Non, je crois qu'il faut que je m'achète en gros, je sais plus si je l'ai commandé sur Chine. Parce que sur Chine, comment dire que là, j'ai fait des commandes pour moi et j'ai mon voisin aussi, ma voisine, que des fois, ils me demandent des trucs parce qu'ils n'ont pas l'application. Parce qu'ils commandent beaucoup sur Temu. Mais il y a des trucs qu'ils ne trouvent pas sur Temu, qu'ils trouvent que sur Chine. Alors... Quand je trouve, quand il me demande, ben je prends. Ça. Hop là. Ça. Ah non mais. J'arrête pas. Hop là. Non, j'ai tout fermé. Et on a une heure et demie, il s'ira très bien. Mon fils et les petites plumes. Mais il fait beau, on en profite. On a raison. Voilà. Ça, c'est fait. Et il faut que je regarde sur leur site internet. Cette marque là, vous savez, ça je le trouve à Action, mais apparemment Jiffy s'en est mis à en faire et je suis abonnée sur leur. Attendez, je vais hop là, ça, et je me suis abonnée en fait sur leur TikTok et j'ai vu qu'ils vendaient des kits exprès pour faire des vitres pour le sol aussi. Alors, j'ai fait, faudra que je regarde un peu parce que c'est vrai, ils sont top. Faut que je le jette, ils sont top les trucs là. Ils sont super. Mais là. Je vais les rappeler dessus. Ah, ils sont top, il faut que je trouve les kits pour les vitres. Ils ont fait des nouveaux produits pour les sols aussi. Et je le trouve super. Ah, je les ai achetés à Action, ils étaient à moins de 3 euros. Et ils sont super. J'ai pu récupérer mon évier grâce à la pâte. Il y a certaines taches que j'ai au sol que j'avais quand j'aménageais, mais j'ai pu récupérer aussi avec la pâte. Alors, ça c'est super. De toute façon, là, j'en ai pas re-acheté parce que j'en avais encore. C'est bon. Il faudra juste que je jette les deux cartons là et que je range la glissière. Enfin, je vous dis que j'ai des cartons. Et encore, je vois qu'il y en a une qui a joué un peu avec. Ils sont tombés. Ah oui, Plume, elle est accro au carton. Elle est accro.
Bon, ça, il faut vraiment que je commence parce que là, le toit, je voulais le faire, mais il y a eu tellement de choses que j'ai pas fait. Est-ce que c'est ainsi? De toute façon, on l'avait vu, j'étais vraiment pas bien. Et quand je suis pas bien, en fait, j'ai envie de rien faire. Mais vraiment. Mais vraiment envie de rien faire. Toi, Théo. Super. Oh, voilà. Bon, là, il faut que je fasse ma lettre de démission, que demain, je la poste en lettre recommandée. Comme ça, je serai tranquille. Je serai tranquille. Et hop là. Et bon, je vais quand même le renvoyer par mail aussi, comme ça, ça fera ça en plus. Ça fait double assurance, quoi. Faut que j'imprime des papiers. Vu que j'ai acheté la cartouche, parce que payer 100 euros, c'est une cartouche, ça fait cher. Que là, 10 euros action. La prochaine fois, je vais en prendre 4 ou 5. Comme ça, je sais que je serai tranquille. Parce qu'entre Morrigan qui m'imprime aussi des dessins, des trucs et tout. Voilà. Il m'en faut des cartouches. Mais ça, de toute façon, j'y retourne le 8 du mois prochain avec ma voisine où on va aller à Saint-Flour. Le week-end avant, moi, je suis en congé le 5 au soir, juillet. Le 6 juillet, on descend à Alès. Ça va être top. Et le 8, je vais à Saint-Flour, à Action, avec ma voisine. Parce que je l'ai promis, ma fille. Parce que là, c'est vrai que ça fait quelques temps qu'on descend à Alès et que, en fait, c'est le week-end où j'ai pas ma fille. Mais bon. Alors là, j'ai fait, elle sera avec nous. Ma voisine m'a dit, fait, mais non, mais prends-la et tout. J'ai fait, il n'y a pas de souci, on va la prendre et voilà. Comme ça, ça sera nickel. Là, j'ai une machine qui tourne, j'en ai déjà étendu une parce que là, comme j'ai rangé le salon, il y a des trous. J'ai retrouvé des chaussettes que je cherchais, des culottes, oui, dessous le canapé, bien sûr. Est-ce que vous aussi, vous avez des enfants qui n'écoutent pas quand on dit de ne pas manger dans la chambre? Qu'ils y vont? Alors, ça fait que des fois, ben, ils vous laissent des briques de jus de fruits. Mais il y a les vêtements qui sont sales. Mais là, le pire, c'est que c'est des vêtements qui sont propres, que j'ai lavés, qu'il faut que je trie parce qu'il faut que je rachète une armoire pour moi et une armoire pour ma fille. Parce qu'à ce moment, moi, la mienne, c'est la tour de Pise et Morrigan, les trucs en plastique, en fait, sont tous déchirés. Et je ne peux rien mettre dessus. Alors, je le mets, si vous voulez, les habits, pour moi, ils sont dans les paniers à linge. Il y a le côté de Morrigan et le mien. C'est le problème, c'est que j'en ai deux qui sont en chaleur avec une semaine de décalage. Et elles me font pipi sur le linge. Mais le linge propre là, il a fallu que je nettoie. Alors ça fait que je me retrouve avec du linge à laver. Là, je vais. Là, de toute façon, j'ai tout nettoyé. Il faut que j'essaye une astuce que j'ai vue sur TikTok. Pour pas que les chats y aillent faire pipi là-bas. Parce que leur litière, elle est changée tous les jours. Elle est propre. Alors, Pika, lui, il va faire dans la litière, il n'y a pas de souci. Mais en période de chaleur, je ne sais pas pourquoi toutes les deux, elles y sont. Alors là, c'est pour ça qu'il faut que j'aille voir un vétérinaire. Si je peux le payer en plusieurs fois, déjà en faire une. Le payer en plusieurs fois. Parce que je crois c'est dans les 250 la stérilisation. Et comme il faut que je les fasse pucer aussi, parce que j'ai pas eu le temps de les faire. En gros, j'en ai pour 300 euros. Alors, en commençant à faire une, je commencerai par Téna. Après, je commencerai et je ferai plume. Comme ça, moi, je serai tranquille. Mais bon, là, le mois prochain, j'ai le garagiste qui, là, il faut que je change à tout prix mes freins. Quoi, ça peut attendre début du mois, mais il faut que je les change, mes freins. Parce que quand je suis allée faire réparer la voiture pour mon roulement en billes, j'ai demandé qu'il regarde ma voiture, voir exactement ce qui a changé ou pas. Ah, il m'a sorti une liste. Et après, il me dit, non, ça va juste vous coûter un billet. Oui, mais billet, ça commence à partir de 5 et ça finit à 500. Au pire des cas, là, il ne m'a toujours pas envoyé de devis, j'irai voir lundi, qu'il me fasse le devis qu'il m'envoie. Et après, j'irai voir peut-être ma concierge pour voir si je peux faire au moins un emprunt du montant qu'il y a total
la laisser une journée comme ça, comme j'ai ma meilleure amie qui m'a fait, non mais t'inquiète pas, au pire des cas, je t'amènerai au travail et tout, et c'est pas un souci. J'irai te chercher, et au moins qu'elle. Si que je laisse sa voiture la journée et qu'il me fasse toutes les réparations qu'il y a à faire dessus, quoi. Mais ça, déjà, il faut que je devise, que je. Parce que j'ai déjà parlé à ma conseillère, il faut que je voie avec. Elle m'a fait, vous m'apportez le devis, on verra ce qu'on peut faire. Parce que voilà, comme ça. Je payerai tout d'un coup et je serai tranquille. Mais bon. Voilà, ouais, je vais attendre que les gâteaux cuisent. Qui refroidissent vers 5 h, je pense que j'irai chercher petit cucu d'amour. Un plus. Vous êtes amorphe. Ouais, j'irai peut-être chercher vers 5 h, 4 h, 5 h, il faut que je vois quelle heure que je vais chercher. On rentrera à la maison et elle va découvrir ce que je lui ai acheté hier à Action. Elle sera contente. Voilà. Bon, écoutez, moi je vous dis à plus tard. J'ai les gâteaux qui sont prêts. Pourquoi je me mets dans mes livres? J'ai la queue du dinosaure qui s'est cassée. Pas mal? Pour le grand dinosaure. Tout petit. Il faudrait que je les remplisse moins. Oh, ils sont trop mignons. Mais après les moutinosaures, les petits comme ça, j'en ferai des glaces. Parce que à force de les utiliser ou quoi que ce soit, je trouve qu'ils n'ont plus le même goût et le moule, ils se déforment très rapidement. Et après, je ferai des glaces, au pire des cas, je couperai un peu par là pour monter bâtonnets et faire des glaces à l'eau. Fils, viens voir ta mère là. Viens voir ta mère, toi. Viens voir ta mère. Hein? Ce merdeux là. Ce gros merdeux d'amour que j'aime, oui, mais que je t'aime quand même. C'est vendredi matin. Monsieur, pour lui, je ne me levais pas assez vite. Bien sûr, monsieur, il faut savoir qu'il me réveille 1 heure avant que le réveil sonne. Parce qu'il faut remplir le gros bidou de monsieur. Hein? Mais monsieur, quand il a vu que maman ne se réveillait pas, qu'est-ce qu'il a eu la bonne idée de faire? Hein? C'est de venir se mettre sur moi, sur mon ventre, et commencer à faire pipi dessus. Parce que je ne me réveillais pas assez vite. Hein? Mmh. Oui, attends, je t'attrape. Hein? Mon merdeux. Mais je l'aime quand même. Oui, je te lâche. Hein? Ah non, parce que si on se lève pas assez vite, pour avoir la patoune. Oui. Bon, ben maintenant ça va sécher. Quoi? Ça va refroidir. Et mon bébé, il faut que j'aille le chercher, que j'aille le chercher à 5 h. Et bon, on ira le chercher à 5 h. Hein? Merdeux. Ah oui, parce que quand je l'ai parlé, parce qu'il vient me réveiller, il me mord le doigt. Il commence à gratter la couette pour dire que c'est l'heure que je me réveille. Mais là, monsieur, voilà, il avait envie. Il s'est pris une rousse sur le petit cucu. Hein? Ouais. Et alors, madame? Vraiment que je fasse plus congélateur. J'ai du mal à l'ouvrir et à le fermer. Mais bon. Alors, lève-toi, change-toi, va prendre ta douche et tout. C'est la première fois qu'il me fait même les films, mon père fait ça.
Bon. Oh. Allez, je vais me poser un peu. Et, quoi. Et voilà. Je vous dis à plus tard. Bon. Coucou. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est lundi. Et là, en fait, je suis devant l'école de ma puce et je l'attends. Elle va bientôt sortir, je suis partie vite fait chercher McDo. Est-ce que, comment dire, que j'ai trop la flemme de faire à bouffer et qu'on n'a pas trop le temps en fait? Parce qu'à 13h, il faut que j'aille chercher une amie. On va aller refaire les ongles, parce que là, ça craint. À 13h30, on a rendez-vous. Et en plus, Morgane a rendez-vous chez le médecin. Alors, elle ne va pas à l'école cet après-midi. Par rapport à ses allergies, parce que là, ça fait quelques temps qu'elle a mis bien bouchée et tout. Les gouttes, là, à son œil, ça commence à aller beaucoup mieux. Mais bon, ce matin, il a fallu que je la remette quand même. Mais elle est beaucoup, beaucoup moins rouge que la semaine dernière. Ça fait bien effet. Et là, ben, on va voir pour avoir son sirop, parce que j'en ai plus. Je croyais qu'il m'en restait. En fait, non, j'en ai plus du tout. Mais bon, ça va être encore une journée à courir. Mais bon, là, ça va. Là, j'ai fait mes deux magasins. Là, demain, j'en ai trois et le troisième, j'ai pas envie d'y aller. C'est celui pour lequel je veux démissionner. Et, voilà. Là, tout à l'heure, je fais ma lettre. Cet après-midi, j'irai après le médecin au docteur pour l'envoyer. Pas au docteur à la poste. Pour l'envoyer en lettre recommandée. Comme ça, je serai tranquille. Et au plus vite qu'il accepte, au plus vite je pourrai partir. Parce que là, je peux plus. Je peux vraiment plus, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Là, en plus, je suis KO, je me suis couchée tard. Mais bon, c'est comme ça. Bon, quand elle veut mon bébé d'amour, parce que là, j'ai le dos ici qui me fait mal. Mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. On fait avec. Mais bon. Ouh. Hier, j'ai récupéré mon bébé. Elle était contente de tout ce que je lui ai acheté. Elle me fait, maman, je pourrais mettre du gloss, il y a des paillettes. J'ai fait, ouais. Elle va s'amuser. Elle va être contente. Bon. Je vous laisse parce qu'ils arrivent. Je vous dis à plus tard. Bon, coucou tout le monde. Ça ira pas plus bas. Bon, on est mardi. Bon, ouais. Bon, désolée, j'ai oublié qu'ils m'ont envoyé des messages pour voir comment elle avait la petite puce. Et ben voilà, mon gamin est malade. Il a fait que j'aille aller chercher à l'école. C'est. Voilà. C'est pas un problème. De toute façon, on va rester à la maison, on va se reposer le temps que qu'on aille chez l'orthophoniste. Et si je vois que ça va pas mieux, ben j'appellerai l'orthophoniste, je pourrai annuler le rendez-vous. Marlène, elle est au courant que Morgane, ça va pas. Alors on verra comment ça va être. Là, je vais donner un jus de fruits à Morgane pour Kébou, mais de toute façon, elle ne boit pas assez. Ça, je le sais, ça vient de là. Et aussi, elle est fatiguée. Ouais, elle est fatiguée et tout. Alors, bon, ben, ça arrange pas. C'est pas, moi, de toute façon, j'ai pris une mise en employeur comme quoi je ne pouvais pas venir. C'est pas un souci. Alors, voilà. Mais bon. Là, on va s'occuper de mon bébé. Je vous dis à plus tard. Bon. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est mercredi. Là je suis en train de préparer le pique-nique de bébé d'amour. Alors déjà je lui mets deux petits paquets de chips. Et là dans sa petite boîte rose, vous savez qu'elle est très compliquée à manger mon bébé. Ça c'est pour goûter. J'ai mis trois compotes, des petits cookies. Et les petits gâteaux avec les quatre bonbons qui nous restaient. Comme ça, je vais mettre dans sa boîte. Elle sera contente.
plus ces deux paquets de chips. Et là, maintenant, je vais faire les sandwichs. Kiri, est-ce qu'elle veut que ça? Le pas de mine est là. Le pain de mine. On va faire avec des fins. On va faire avec des fins. Bon. J'espère que vous allez bien. Là, en plus, il est un peu tard. Il est 5h et quelques. Parce qu'elle a eu rendez-vous à la psy à 4h30. Non, moi, c'était 4h15. Toi, elle est après 4h30. Mais bon, c'est pas grave. On a attendu, je sais pas, j'ai quoi. J'ai attendu. Mais bon, c'est pas un souci. Voilà, bon, j'ai fait tout ce que je voulais faire. On est en train de jouer, mon bébé. Alors. J'ai les tranches, elles sont pas assez longues. Ça, je les avais achetés sur Chine. J'ai vu que. Ah bon, ben voilà. Et un dinosaure. Ce que j'ai en gros là, ce que je fais, ce que j'avais fait quand j'étais partie la semaine dernière. En voyage, juste que j'avais rajouté des carottes râpées. Pour mon bébé. Est-ce qu'elle voulait des carottes là? Là, on ne veut pas des carottes râpées. Elle veut que des sandwichs. Alors, on fait. Écoutez, si ça peut l'aider à permettre de sortir, d'y aller, parce que c'est vrai que les sorties scolaires, c'est pas son truc. Mais vraiment pas. Alors, si juste d'avoir acheté des emporte-pièces, ben, ça l'aide à sortir, une nouvelle boîte ou quoi que ce soit, ben, écoutez, moi je dis pas non, hein. Si ça, c'est contente. Hein? On fait, voilà. Oui, je l'avais même acheté là. Des boîtes à sandwich. Maman. Oui. Hein? Oui, B. Tu l'as perdu? Oui. Il est où? Quoi? Ben cherche-le. Oui, je lui avais acheté des marque-pages aimantés. Parce que quand elle doit lire, ben j'ai fait comme ça, si ça peut l'aider. Tout ce qui, je sais, c'est peut-être des trucs débiles, mais voilà, tout ce qui peut l'aider, ben je fais pour qu'elle puisse avancer, progresser encore plus, comme elle progresse. Et voilà. Je fais. Si c'est des petits détails comme ça, ben, ils peuvent l'aider. Ben, je fais. En plus, elles sont, franchement, ces boîtes, elles sont top. Ça, par contre, je vais garder, je vais mettre au frigo, elle les mangera ce soir. C'est parce qu'il y a aussi du kiri dessus. Alors on ne gaspille pas et on mangera ce soir. Et le dernier. Voilà, comme je vous dis, c'est juste des emporte-pièces. Juste d'avoir une boîte à sandwich, une autre boîte à lunch. Des petits trucs comme ça, si ça peut aider, franchement.
quand je peux, je fais. Parce que, je vous jure, il y a des fois, vous attrapez des colères parce que, mais elle veut pas sortir, elle veut pas faire ci, elle veut pas faire ça, c'est... Ah, voilà. Écoutez, là, pour le moment, j'ai trouvé ça. Ça a l'air de fonctionner. On va continuer. On va continuer comme ça. Hein. Mon amour! Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai pensé de retrouver le dinosaure. Dinosaure Mickey, étoile, cœur, Kiri. Tout ce Kiri. Ok? Comme tu voulais. Tu l'as pas mis dessous la couette à un moment? Il y a un gros bidou. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a, ton bidou? Le chat. Ah! Mais regarde qu'est-ce que t'en as fait tout à l'heure. Ah, il faut vider ton cartable pour que je puisse mettre tout ça dedans. Et puis ces deux petites bouteilles d'eau. J'espère qu'avec tout ça, j'espère qu'il y aura assez. Attendez, je vais vider son cartable. Voilà. Son cartable. Ah, parce que son sac à trucs, l'autre fois, je l'ai cassé. J'ai cassé la fermeture éclair, elle s'était remontée. Alors, je vais prendre son sac. Comme ça, je suis tranquille. Et voilà. Voilà, son pique-nique est prêt. Ça, maintenant, ça va partir au frigo. Oh, oui, je mets son cartable au frigo, comme ça, il reste frais. Elle mangera ce soir. Et voilà. Chérie. Oh, je suis éclatée. J'ai mal au dos, j'en peux plus. Et voilà, il faut qu'on fasse encore le truc de l'orthophoniste parce qu'elle veut le faire qu'avec moi et pas chez Marlène. On a encore pas mal de trucs à faire. Vider mon lave-vaisselle là. Oui, je l'ai mis à tourner tout à l'heure. La machine à laver. On mettrait une autre à tourner. Voilà. Bon. Mais écoutez, moi je vous dis à plus tard. Oh. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors. Aujourd'hui on est dimanche. Il est 18h et quelques. Pas presque 19. Je vous prends, oui, très tard. Parce que j'ai vraiment pas eu le temps aujourd'hui et que j'essaie de résoudre un problème. Vous savez, je vous avais dit que je voulais démissionner d'un magasin où je travaille. Et j'avais posé ma démission, mon patron l'a refusé. Pour aucune raison, précisément, il m'a donné aucune raison valable. Par mail, en plus. Ah ouais. Et là, je suis en train de voir de. Faudrait que je suis en train de voir pour pouvoir partir parce que il y a un magasin où je peux vraiment plus. Mais vraiment plus du tout. Alors, voir comment je peux faire. Mais bon, c'est la mouise. Mais bon, c'est pas grave, je trouverai une solution comme toujours. C'est pas un souci. Mais bon, ça fait chier. Oh, je vais aller faire tout ce que j'avais à faire. Oh.
On va se quitter. Sur le canapé en plus là, je suis depuis hier. Je suis gelée. Et j'arrive pas à me réchauffer. En plus, je sais même pas si je vous ai filmé pour. Parce que je suis. Là, cette semaine, c'est une semaine où j'ai couru. Où... Mais bon, c'est. J'ai pas arrêté de courir, j'ai pas à droite et à gauche de faire des papiers, chercher des papiers, de... ça me saoule. Pourquoi je l'ai mangé là, lui? Je suis KO. Mais je suis crevée de chez crevée. Le truc que je voudrais, c'est aller me coucher. Parce que là, je suis éclatée. Mais mon vovoi. Non mais ma fille. Là je suis épuisée, je suis gelée, ça m'énerve. Est-ce que j'ai acheté une grosse couette noire. Là ce matin je vais changer le drap de mon lit comme ça je la mettrai. Et là je l'ai mise en fait sur le canapé avec ma fille, on la squat. On se met sur le canapé au chaud parce que moi je suis gelée. Mais bien comme il faut. Hier, Morgan, elle a eu son pique-nique. Elle s'est éclatée. Bon, jusque-là, elle est un peu dégoûtée parce que là, à la fin du mois, le spectacle de l'école, il faisait une flash mob sur la musique de Jungkook, d'un de ses chanteurs préférés de BTS, là. Sur. Qu'il avait chanté avec. Je sais plus son nom. Je crois que c'était pour la Coupe du Monde ou je sais plus trop quoi de l'année dernière. Et en fin de compte, ils font pas là-dessus. Ils changent la musique. Elle est un peu dégoûtée. Je sais pas. Mais bon. C'est. On verra bien sur quoi ils feront. Mais bon. Ouais, je vous dis, là, je suis. Le vendredi, je suis éclatée. Bien comme il faut. Le vendredi, c'est la journée où je cours de partout et ça me détruit. Mais bon, là, je vais préparer à manger et après, je vais me foutre en pyjama et je vais plus bouger. Parce que là, je suis morte. Bon, moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end, une très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!